Vous avez hâte de sortir votre moto? En attendant le beau temps, faites un bout de chemin avec nous à Motomag. Aujourd'hui, on assiste à la Coupe La Capitale et on roule avec Guillaume Lemétis Vierge. Dani, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la Coupe Moto Direct La Capitale? Ah ben, il y a quelques trucs dans la conduite de la moto, évidemment. Là. L'un de ces trucs, c'est la douceur, évidemment. Comme tout motocycliste devrait savoir, il faut conduire la moto avec douceur. OK. Certainement. Et qu'est-ce qu'on fait pour accumuler des points là-dedans? La première chose, il faut monter dans les cercles. Le premier cercle étant d'un diamètre de 30 pieds. On passe dedans. On doit s'assurer de faire un 360 complet. Ensuite de ça, on peut aller risquer d'aller faire le 27 pieds, qui est le deuxième cercle, pour aller chercher un 20 points additionnel. Okay. Mais si on ne réussit pas le 20 points additionnel, ben là, on vient de perdre tous nos points. C'est exactement comme au casino. On risque ceux qu'on a pour aller plus loin. Okay. Fait que là, on réussit le 10 points, on s'en va au 20 points. On réussit le 20 points, ça nous tente, on s'en va au 30 points. Ça nous tente encore, on s'en va aux 40 points, mais ça, c'est cumulatif. Et le cercle va toujours réduire. Exactement, toujours de 3 pieds de moins. Le cinquième cercle est rendu à 18 pieds. Donc, c'est assez serré quand même. Ouais, ça devient serré de fil en aiguille, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut pencher la moto? Oui, bien, plus la moto est penchée, plus elle est facile à faire tourner. Parce que, évidemment, la moto étant limitée dans le braquage du guidon, il faut la pencher de plus en plus pour réussir à la faire tourner serrée. Vous avez eu combien de participants? Oh, on est à une trentaine environ. Déjà. Et là, est-ce que c'est serré ou il y en a qui sont vraiment poches? Il y en a d'autres qui sont bons? Ben, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Il y a des professionnels puis il y a des amateurs. On va rester comme ça. Parfait, merci. Bienvenue. On verra bien.